ce numéro. Oh putain, c'est Tobias, bon, on l'écoute. Attends. Ok, un nouveau contrat de fiction ici. Ah non, c'est une enquête. Ok, c'est une mission. Attends, j'en ai déjà scanné des comme ça. Ouais. Ouais, mais j'en ai scanné 6. Quoi? Explique. Écoute, avec des traceurs GPS directement dans les armes pour les relier à plusieurs scènes de crime. On peut même connaître l'angle de chaque tir. Ces mecs-là sont partout. Sur des contrats de vol, d'espionnage, d'assassinat. Ce genre de mission impossible. La police de Chicago a pas les moyens de faire face à un truc pareil. Putain, j'y crois pas. C'est hallucinant. Ils parlent de vrais agents secrets, là. Bah ouais. Je vais creuser un peu et voir si je peux trouver ces mecs. Oh, salut. Salut. T'as trouvé quelque chose? Oh, seulement le repère d'une organisation mafieuse responsable de 17% des crimes non résolus en ville. Mais ça, je sais pas si ça compte pour quelque chose. Vas-y, envoie. Oh, je vous laisse écouter. Ok, c'est bon. Parce que, du coup, ça fait partie de la mission enquête. Une fois qu'on a récupéré tous les éléments, donc, progression... Je vois qu'on a tout récupéré tous les éléments, pas dans collecteur mais dans enquête. C'est-à-dire, les QR codes, il m'en reste que deux qui ne sont pas affichés. Les portées du smart, il me reste trois, c'est pas affiché. Trafic d'air, c'est lui, c'est la dernière. Téléphone jetable, il m'en reste trois, c'est pas affiché. Bah, du coup, un, deux, et les trafics d'êtres humains, c'est pas encore affiché. Puis après, t'as les tours CTOS, les intrusions de vie privée. Ça reste encore les intrusions CTOS, les bouffées, la musique, tout blabla. Mais on va pouvoir démarrer la quête principale. Et ça me gratte encore l'oreille. Et des petits contrats de fixeurs qui se mettent. Bah ouais, on vient de finir quasiment une mission. Le yinge de mémé. Quoi? Oh la quête là. Bonjour. Oula. C'est joli. Tu vas, t'as fini? T'as trouvé ce qu'il te fallait? Pour l'instant, oui. On est amis ou pas? Ok, écoute, je comprends parfaitement que t'es la trouille. J'ai pas la trouille. Personne m'a demandé de rester. Personne t'a demandé de partir. Bah oui, t'es la bienvenue, c'est chez toi. Il va falloir fermer ça. J'ai besoin d'aide. La connasse. J'ai besoin de ton aide. On fait équipe? Oui, si tu le dis. Ok, on fait équipe. T'es pas habitué à faire équipe? Non. Non, pas trop. C'était si dur que ça. Apprendre premier degré, s'il vous plaît. Alors, au travail. Quand même casse-couille, hein. Okay. Quand même relou. On va voir ce qu'on peut trouver. T'es toujours avec un 32 000, ouais. Tu gagnes pas beaucoup, toi, pour une tatoueuse. Hein. Je suis désolé. Ok. T'as pu chier. J'ai mal aux lèvres, ça m'énerve. T'es sûr que l'adresse IP est là? Oui, un des étages supérieurs. Ouais, il faut vouloir camératiser. Serre des caméras. Intrusion. Oh, regarde ça. Ils ont câblé tout l'immeuble. Pour un okay. quartier, c'est pas normal. Ok. On envoie ça là. Ok, on envoie ça là. On envoie ça là. On envoie ça là. On envoie ça là. Ouh. Ils sont armés jusqu'aux dents. C'est une vraie forteresse. Enregistrement audio, j'ai intercepté.
C'est vrai qu'il y a du monde, hein. Ouais, chez DeadSec, c'est des relous. Caméra. Non, c'est la première fois. Ascenseur. Personne ne se dit, tiens, l'ascenseur, il part tout seul. Ah bah non, les gens peuvent l'appeler, je suis con. My bad. On se balade vraiment de caméra en caméra. Caméra. Oh putain, c'est une industrie, le machin. Oh. Ah ouais. Ok, ça c'est de la merde. Faut laisser y aller lui. Quoi? C'est flippant cet endroit. Je vous jure, c'est flippant. Il se passait des choses. Ok, y a moyen que j'en tue un ou deux hein, dans la famille. Optionnellement, j'ai envie de vous dire. Ok. Ok. Comme ça, à quoi ça me sert en fait? Ok, lui. Lui, je l'envoie là. Et lui, je l'envoie là. Ok, non, c'était pas bien compliqué. Ok. Bonjour. T'en veux encore dans ta bouche? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Récupère les infos des cartes. Ça nous les envoie par wifi. Ok, caméra. Ok, piraté. Heureux partenaire. De Irak. Ah oui, c'est vrai qu'on suit ce personnage. Bonjour, intrusion. Ok, nouvelle intrusion. Alors. On va désactiver celui de gauche. Je trouve que c'est pas bien compliqué. T'envoies ça là. T'envoies ça là. On en a un. Le problème, c'est que faut faire l'inverse, pas tant. T'envoies ça là. T'envoies ça là. On en a un. Ok, lui, il faut le faire comme ça plutôt. Et lui, il faut le faire comme ça plutôt. Ok. Voilà, faut déjà inverser les deux, mais ça passe. Un peu trop fort pour moi, je mets ce son. Il y a des gens qui vivent ici? Il y en a même qui meurent ici. Il y a plus qui meurent que qui vivent, hein, je vais pas te mentir. Qu'est-ce qu'elle fait à moitié à poil? Vous aurez pu l'habiller, la madame? Ils ont des AK, ils ont tout le stuff, quoi. Oh là. C'est flippant, je sais qu'il y a une histoire et tout, mais quand même, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, messieurs. J'entends des gens baiser toutes les deux minutes. Puis le même sample, hein, le même sample de baiserie, comme je pourrais dire. Voilà. Ok, c'est là. L'adresse IP provient de cette pièce. Là-dedans, là. Il y a un lecteur de cartes sur la porte. Merde. Bonjour. La clé est dans sa plaque d'identité. Écoute, personne t'a rien volé, mec, alors appelle ton boss. Ça va prendre un peu de temps. Eh ben, on va le prendre, le temps. Ok. Ramène ton gros bout. Putain, je t'ai dit de remettre ça au fond de jouer. On t'a chié dans le cerveau, quoi. Bonjour. Tu te souviens du linge de mémé? L'autre bâtard de bulldog. Du con. Voilà. Du con. Il sifflait, il déboulait direct. Mais à chaque fois, cet enculé, il pissait partout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, tu comprends rien. Écoute, t'es mauvais pour mon business. Et à ton avis, gros, entre toi et mon business, je vais choisir quoi?
Corinne est en ligne. Fou, il a failli lui dire tu vas crever. Ton business. Queen. Je vous cherche des marchandises et de la sécurité. Et vous volez la liste de mes invités. Personne ne me vole, monsieur Irak. Attendez, ça s'est pas passé comme ça. Je crois que vous avez pas tout saisi. Vous et moi, c'est une collaboration. Vos invités, c'est mes invités. On en reparlera à la vente aux enchères, d'accord ? Ne jouez pas aux nuisibles, monsieur Irak. Chez nous, les nuisibles, on les extermine. Putain de bâtard d'Irlandais fini à la bière. C'est quoi un nuisible ? C'est une sorte de rat. Et pourquoi, quand les méchants ils sont méchants, ils tuent les alliés des méchants? Souvent dans les films ou dans les séries, quand le méchant il est vraiment méchant, il tue ses propres potes pour montrer qu'il est méchant. Mais dans tous les films. Autre chose. Ok. Ok, ça lag. Non, c'est bon. Bon, on a repéré l'endroit. Je ne sais pas comment tu pourrais entrer là-dedans. Et je parle même pas de cette pièce. Même les serrures qui se trouvent sur les portes sont codées. Non, mais j'ai des pistolets. Il va y aller à ma place. Ah oui, tu crois? Et pourquoi il nous aiderait? Parce qu'il a peur. Il est à deux doigts de se prendre une balle dans la tête. Donc la prochaine fois qu'il fait une connerie, je serai là pour enregistrer. Rien de tel qu'un peu de chantage pour convaincre quelqu'un. Ok. Pas bien compliqué. Qu'est-ce que tu veux, je pirate là-dedans? Ok, c'est fait. C'est piraté. Encore? Je sais même pas ce que je regarde. En fait, je regarde quoi? C'est quoi ces vidéos? C'est une main? Match phone? Mais c'est une main? Déviance sociale. Ah bah oui, parce que là... Bon, s'il n'y avait pas les, il n'y a pas les couleurs, donc on sait pas, mais j'ai l'impression que c'est une main. Et il met ça dans un sandwich. Qui mange? C'était dégueulasse. C'était... La situation se complique. T'as le cannibalisme. Si j'arrive à maintenir l'attention de Damien... C'est pas mon truc. Je le connais, il fera forcément une erreur. Faut que je sois patient. Mais là, j'ai besoin de Bedbug. Ok, bon, bah on va continuer les quêtes principales, mais c'était vachement chelou. C'est là. On va pouvoir. Trajet non disponible, hein. Faut sortir de la planque. Oh, c'est relou. Est-ce que vous pensez que c'est bon, en fait, fallait juste attendre? Non, faut sortir de la planque. Qu'est-ce qui m'affiche? Ok. Oui, vas-y, dis-moi. J'ai regardé les infos aujourd'hui. Ils parlaient d'une poursuite automobile près de Parker Square. C'est du Hayden Pierce tout craché, ça. Nicky est avec toi? Bien sûr. On a regardé ça ensemble. Je lui ai expliqué comment reconnaître ton style. Elle avait l'air surprise. On dirait qu'elle te connaît pas aussi bien que moi. Passe-la moi, je veux lui parler. Doucement, doucement. Et l'adresse IP. Ok. Il y a quelque chose à Rossi Fremont. On écoute l'histoire, c'est pour ça que je parle pas beaucoup, désolé. Il est gardé par une armée de gangsters. Maintenant tu sais pourquoi j'ai besoin de toi. T'as trouvé le moyen d'entrer? Je suis sur le coup. Laisse-moi parler à Nicky. Tu vois, c'était pas si difficile. Hayden,
Nikki, on y est presque. C'est bientôt fini. Qu'est-ce qui se passe? Ce mec parle comme si vous étiez amis. On n'est pas amis. Plus maintenant. Je t'assure. Écoute pas ces conneries. Non, dis-moi où t'es, dis-moi où t'es. T'as peur qu'il me révèle tes secrets? Je n'ai aucun secret. Sérieusement, Aiden. Tu crois vraiment que je vais avaler ça? Je suis ta sœur. Alors si tu es ma sœur, tu pourrais pas être un peu compréhensive. J'avoue, connasse. Pardon, je me fais enlever par ton ami et il faudrait que je sois compréhensive. Oui, bon, c'est sûr si tu vois les choses comme ça. Oh, je t'ai vexé. J'ai oublié que t'étais sensible comme garçon. Oui, voilà, je suis un gros dur au cœur tendre. Mais ouais. Mais pourquoi tu lui as pas dit où est-ce qu'elle était? Dans un endroit extérieur, tu m'aurais donné plus d'indices, j'aurais trouvé. C'est bon, je suis sorti, donc crache rapide. Réfléchir dans la vie, putain. Oh. Oh, y'en a qui réfléchissent pas. Bon, allons trouver Bad Bugs. Ok. Ah, escort. Bah, c'est la dernière escort criminelle, obligé. Allez à l'autre bout. On va faire Bad Bugs. On la fera après. Conspirationniste, c'est bien. C'est quoi, hey, ça va, ouais. Je cours, c'est tout. Mais Google. Soupçonné de délit de fuite, bah ça arrive. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, il fait des moves chelous. Il faisait des moves trop chelous. Pas un boulot pour Tyrone. Je sais pas qui c'est Tyrone. Donc, canadienne. Il y a des fois. Au télé-évangéliste. Je prends un risque avec Bedbug, mais mon instinct me dit que c'est la cible parfaite. Bah oui, t'inquiète, on va y aller. Chose, mais il a beaucoup à perdre. Facile à intimider. Très ambitieux, mais feignant. Ok. D'abord, sa maison. Pirater son portable. Enregistrer tout ce qu'il dit. Mais... Trouver moyen d'entrer chez Bedbug. Je sais même pas c'est qui, c'est lui. Je sais même pas c'est quelle maison. Merci. Ok, oh là, déverrouillé déjà, déverrouillé. Ok, on déverrouille comme ça. Ok. On déverrouille comme ça. Maintenant, on va aller là-bas, ici. Ici, mais faut déverrouiller en haut d'abord. Donc faut récupérer de là. Donc faut récupérer tout droit. Ok, donc faut récupérer de là. Mais wesh! Petit peu con moi. Ok, donc ça, ça, ça. 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 Il y en avait beaucoup des traits, j'étais perdu. Tu m'emmènerais à la brocante. Tu peux me dire ce que t'as si important à faire. Je travaille, mais. Cousin, ah, c'est son cousin, il menace, il veut tuer son cousin. Oui, on tue pas les cousins, c'est la famille. D'accord, je vois. C'est pas un boulot pour Tyrone, c'est un boulot pour Bedbug. Ça va, mémé. Et puis d'abord, ça veut dire quoi, Bedbug? Ça veut dire le gars qui est bugué au lit. Ça veut dire que je suis un player, quoi. Un quoi? Bedbug, c'est une punaise qui va dans le lit des filles. Mais c'est dégoûtant. Il me semblait pourtant que je t'avais bien élevé. Le ton des Viceroy. Ouais, j'arrive. Bon, faut que je file, mémé. Je t'aime. Ouais, moi aussi, je t'aime. Même si t'es un couillon. Même si t'es un couillon. Elle me dit... Filet. Voyons tout ce que je peux dégoter sur toi. Avec un peu de chance, tu verras rien venir. Ok. Ça, c'est rare qu'ils nous disent de filer.
ensuite des lieux de chaque maison. Tu te renseignes. Ouais, attends, c'est quoi ton allégorie là? Tu prends le contrôle. Et si quelqu'un déconne, c'est eux-mêmes qui viendront te le dire. Bon, alors tu vas parler de moi autour de toi? Je sais pas. Je devrais. Bah oui, ton ami, ton cousin. Mais c'est des gars des Viceroy. Mais oui, c'est des gars des Viceroy. Putain, je m'en rends compte pile quand je me fais repérer, je suis débile. Non, mais c'est ma faute. J'avais pas compris sur le moment. Oh non, faut tout écouter. Tu veux contrôler un village, tu te fais passer pour un ami. Et là, tu dis aux villageois que dehors, c'est tous des gros bâtards qui veulent les niquer. Ah oui, bah oui, c'est en zone rouge. Ok. Et ce qui s'achète, tu prends le contrôle. Et si quelqu'un déconne, c'est eux-mêmes qui viendront parler. Ok. Bon, alors tu vas parler de moi. Bonjour. De toi. Je sais pas. C'est des Gaddy Viceroy, ça. Non. Je veux prendre des décisions, moi. Franchement, je te fais le taxi partout quand tu veux. Et t'as vu, hein, je suis toujours à l'heure. Je suis là, moi. Je t'ai jamais lâché, pas une fois. Ouais. Je sais. Putain, il me repère. Oui, non, mais sérieusement, il y a une promotion. Pour ton histoire de promo, là. Ok. Je le suis de vachement proche, quand même, alors je suis pas obligé. Je suis en train de renforcer le groupe de Parker Square. Je lui en parlerai. Peut-être qu'il t'enverra la main. Putain, bête, parle-moi fort. Ok, ouais, parle-moi fort. On va se faire opérer alors qu'il y a personne. Putain, ils attendent du monde ou quoi? Ah bah oui. Ok. Ouais. Il était mis à déconner, et Irak les a descendus lui-même. Je le sais, parce que je l'ai aidé à les enterrer. Putain, mec, parle pas de ça si fort. Tu sais que ton cousin fait trop que cette histoire se retombe dessus. Toi, je dis ce que je veux. Quoi? Toi aussi, t'es pas... Ah, bah on peut lui dire l'histoire. C'est bon, cette histoire-là. J'ai tout ce qu'il me faut pour le faire chanter. Si Irak entend ce petit bijou, Bedbug finira mort dans une décharge. Il accélère, là. Du coup, je fais quoi? Je continue de le filer? Qu'est-ce que je fais? Attends, je vais reculer, qu'est-ce que je dois faire? Ok, on continue. Mais qu'est-ce qui se passe? Merci gros. Fais gaffe à toi, comme d'habitude, quoi. Faites bugger à pied et filer, là. Je suis débile master ce que je fais là. Ils m'ont pas dit de l'éliminer pour l'instant. Mais je fais comment? Maintenant. Ça, le mec s'était même fait à l'ascar. On l'a fumé juste devant sa run. Ça les cartes? Ouais, Bedbug. Et les copines? Ouais, tout est là. Et pour la part d'Irak? T'occupe pas d'Irak, occupe-toi de moi. Wouhou! Heureusement qu'il y a cet étranger de table qui fait un arc de cercle pour bien se cacher derrière le gars. Putain, je suis vraiment caché alors qu'il y a 36 000 gars. Mais... Pipi est dans la place. Bien ou bien? Puis-je parler à Lil Juice? Oui, monsieur, pas de problème. Puis-je? Quel con. Tu fais ta tournée? Ouais. Je vais y aller en caisse. T'en penses quoi? Tu crois qu'ils ont capté? Et on dirait que le club fait plus confiance à Irak. Quoi? Cool. Mais si... Parce qu'ils vont bien...
Oula. Quand je serai le boss, je me souviendrai de toi. Ça dit à chaque fois ça, c'est ça. Cousin direct. Eh bah ouais, mais tu veux tuer ton cousin, quoi. Je sais pas ce que vous avez avec les cousins, les gars. Ok. Ok, vite, 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 fais demi-tour. Maintenant. Vite, bouge. Ok. Non, 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 non. J'avais tout bien fait comme il faut. Ah, fait chier. Elle est chaude cette mission d'infiltration. Non. Putain, je reprends du début. Ok, je vais faire, voilà, je vais faire un scan. Ok, on va faire un scan, au moins je sais où ils sont direct d'avance. Maintenant. Maintenant, 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 on se met là. Ok, on se cache ici. Mais on tue pas les gens devant leur maman. Ok. Bonjour. Après, je pourrais y aller à la caméra, je suis débile. Moi, j'y vais à la discrétion, mais je pourrais y aller à la caméra. Ah non, parce que c'est suivre, c'est filer. Oh, puis-je? Ouais, tout le bel père. T'en penses quoi? Tu crois qu'ils ont capté? Non, et on dirait que le club fait plus confiance à Irak. Cool, parce qu'ils vont bientôt bosser avec moi. Et quand je serai le boss, je me souviendrai de toi. Ouais, bah, c'est ce qu'on dit. Service sexuel sur un mineur, violation. Oh là là, pas bien, pas bien. Ici, l'autre il se retourne là. On attend qu'il se grouille sa mère. Dès qu'il se retourne. Maintenant. On se met là. Puis là. On attend qu'il bouge. Ok, on avance par ici. Ça fait deux fois que je me fais avoir par le même. Je comprends pas la suite. Je sais pas la suite. Je pensais que j'étais allé trop vite. Je me suis loupé. Et on recommence depuis le début. Putain. Chier. Bonjour. Est-ce que vous pensez que je peux en éliminer un? C'était même pas à l'ascar. On l'a fumé juste devant sa run. Ça écarte? Ouais, Betbeg. Et les copines? Ouais, tout est là. Et pour la part d'Irak? T'occupes pas d'Irak? T'inquiète, je m'occupe d'Irak. Ok, on attend là. C'est un peu long, c'est un peu long quand même. Après
Après, je pourrais les filer en cab. Hein. Ok, il tourne directement vers la gauche. Yo, check. Big B est dans la place. Bien, bien ou bien? Et puis après, il revient. Oui, ah, ok, il est en tout un moment. Pige, pige. Quel con. Tu fais ta tournée? Puis après, il arrive ici. Ouais. Je vais y aller en caisse. Après, je pourrais l'éliminer. T'en penses quoi? Tu crois qu'ils ont capté? Non. Et on dirait que le club. Oui, je retiendrai. Et quand je serai le boss, je me souviendrai de toi. Menteur. Conduis ton état du reste. Ah, t'as changé de casier judiciaire. Je suis peut-être allé trop vite là dans mon mouvement. Ok. Voilà, et puis il tourne à gauche instantanément. Pattern un peu relou. Ok. Vite. Là, il va pas rester longtemps là. Allez, avance, avance, avance. Quoi? Bah ouais, toujours. Pourquoi? Le truc, c'est que ça va pas être gratuit. Mais ça vaut le coup, je te jure. T'inquiète, on verra ça. Qu'est-ce que je fais ici? Je continue de le filer alors que c'est impossible? Là, je sais pas comment faire hein, pour continuer de le filer. Parce que sinon, moi j'y vais. Y'a intérêt. Utiliser les caméras là, mais je vais rester derrière cette bagnole. Je vais faire full repérer. Ok. Ils ont vraiment tout un bon système sécurisé. Ok. Je t'écoute. Bon ben, je vais mon code Rabbit. D'où tu crois qu'elle vaut autant de fric ton info? Parce que si tu lâches pas la thune, il te reste pas longtemps à vivre. Attends, c'est une menace, gros? Je te préviens, me cherche pas. T'as pété un plomb, quoi? Tu crois qu'il va pas entendre parler de ça? Oh, putain. Irak? Sérieux? Mais c'est Irak, justement, ton problème. Ok, ok. Allez, dis-moi ce que tu sais. Ça a intérêt à valoir le coup. Bon, écoute ça. Ils vont t'appeler pour que t'ailles au break. Et là, ils ont prévu de te descendre. C'est des conneries, ça! Wow! Hé, hé! Qu'est-ce que tu fous, mec? Allez, mec. Ah, j'ai évité un crime. Mon code Rabbit. Ouais, c'est qui? Le mec qui vient de te sauver la vie. Et je peux faire beaucoup plus, mais il faut m'aider. Ok. C'est quoi les briques? De là et je te le dis. Ok, tiens-toi prêt. De genre, je vais le guider? Je fais quoi? Ça craint, mec, sérieux. Ah non, mais c'est méga chaud. Où est-ce qu'il faut que je l'emmène? Go, dépêche-toi. Okay. What? Impossible. Allez, on bouge. Compris. Viens là. Allez, avance. D'accord. Allez, go. Voilà, 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 voilà. Ok. T'as ce jeu trop dur. Où est-ce que je peux l'emmener? Je
Oh là-bas. Ok, maintenant. Go, go. T'inquiète, t'inquiète, ça passe. Ok, voilà. Va là-bas. Okay, va là-bas, va là-bas. J'avance. Ok. Pas facile. Bon, on a réussi. J'écoute. C'est Jirak. Il va envoyer Bedbug aux briques pour l'éliminer. C'est une putain de condamnation à mort. C'est quoi les briques? Il va demander à ses pires soldats d'y aller et lui faire la peau. Jirak a mis un contrat sur Bedbug? Ouais, mec. S'il arrive pas à faire ses preuves, il va crever. Mais bon, tu l'as vu, Bug. Il a aucune chance. J'essayais juste de le prévenir, ce gros bâtard. C'est où l'endroit dont tu parles? Bon, les briques. C'est celui-là. La briqueterie. Ok, maintenant tu fais comme t'as dit. Tu prends ces $500 et tu quittes la ville. Sans parler à personne. T'inquiète pas pour ça. J'ai compris. Ok, ça s'est bien passé. T'as fallu le guider, ça c'était chaud par contre. Moi je suis encore là. Et je me casse comment? Si Bedbug se fait tuer, je perds mon billet d'entrée à Rossi Fremont. Et moi, je me tire comment? Prévenez que je dois me casser. Ok, c'est good. Putain. C'est vraiment un quartier qui craint. Hein. Moitié sur deux et avec des AK. Bon, passe un bon moment. Médite régulièrement. Bah, médite, l'autre il klaxonne comme un connard. Ok, quitter la zone, c'est fait. Ces mecs, pas facile cette mission. Pour Irak. Mais dans un gang, pas de place pour un maillon faible. J'ai vu la même chose arriver à d'autres types. S'ils font pas leur part du boulot, ils se font descendre. Mais si Bedbug tient le coup et prouve qu'il est de confiance, non seulement Irak pourra sauver la face, mais il en sera fier. Ok. Pas un boulot pour Tyron. Bon bah c'est fait. Et mesdames et messieurs. Oula. Ah, allô? Ah, bah tu tombes bien. Ton copain Maurice était justement en train de gémir. Il dit que t'as tout faux, qu'il s'est fait pigeonner par son client, tu parles d'une pleurnicheuse. Dis, ça t'embête si je lui colle un coup de perceuse dans ses rotules? Oui, ça m'embête. Merde. C'est tellement prévisible. Ça donne pas envie de te rendre service. Justement. T'as besoin d'un service. C'est ça. Je prépare une embuscade. Il me faut des explosifs, tu peux m'arranger ça? Je peux tout faire. Après, si je veux le faire, ça c'est autre chose. Mais attends, tu sais quoi? Ça tombe bien. Laisse-moi récupérer mes potes et je te retrouve là-bas. Quoi? T'as tout ça pour entrer dans un endroit pour sauver Sister? Sachant que Jordi il m'a indiqué un endroit et tout blabla. Bon, allons faire cette enquête. Toi. Merci. Vas-y, sors de là. Bah si. Regarde. Oh non, mais on écoute toujours les mêmes musiques. Chicago a été proclamée ville la plus high-tech des États-Unis. La plus? Grâce au projet iOS du maire Donovan Rushmore, Chicago peut désormais s'enorgueillir de posséder la technologie la plus avancée du pays. Alors, avancer, regardez, s'il y a un Ryu, il y aura un Evil Ryu. Donc, s'il y a un CityOS, il y aura des hackers. Ouais, j'ai vraiment donné une putain de référence. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est parti, bonjour. Que les agents secrets de Tobias sont des fixeurs. Et s'ils arrivent à rendre les flics nerveux, ça veut dire qu'ils ont de quoi se défendre. Ouais. Ça pourrait compliquer les choses. Ok, il y a du monde. Ok, il y a du monde. Alors, déjà on claque ça. Si on claque ça. Et merde. Pour un matos de folie. J'ai intérêt à pas me faire repérer si je veux rester en vie. Et déjà. Ouh, ça s'est joué une frame.
Ça c'est pas joué à beaucoup. Mais c'est vrai qu'ils ont un putain de matos. Ah bah si, il faut juste tuer des gars comme ça, moi ça me va. Hein. Moi je prends mon temps, je préfère. Oh là, il y en a bien un qui va crever. Avoir beaucoup de temps pour me préparer. Pour préparer, qu'est-ce que tu veux que je prépare? Ah si, je peux mettre des EU de proximité. Ah bah j'ai fait un blackout. On va du coup Oh merde, excuse. Ok. Ok, ça marche les EU de proximité, je sais pas. À plusieurs backups. Petit bâtard. Ok. Bou bou bou. Ok. 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 Je m'en sors bien. Petite concentration de ma part. Et toi, t'es mort. C'était parti. J'aime bien les proximités. Je connaissais pas. Ok. On va finir le dernier au pistolet. Ça va être plus marrant. Ok, on saute par-dessus du coup, on survit. Et boum. Voilà. Quoi ? Qui arrive ? C'est ma seule chance, j'ai pas droit à l'erreur. Ok. Ok. Fais chier. Ta mère. Et ça dégage. Ça dégage. Ok. On monte. Oh merde, il y a du monde. Tasse. J'adore les EU. J'ai envie d'en crafter plein. Tu peux me croire là-bas. Baissez la tête. T'en as jamais vu des comme moi. Ok, ça va là. Ça meurt pas, hein. C'est pour ça qu'il faut prendre des. Ok, ça dégage. Ok, ça dégage. Il m'en reste plus qu'un tout là-bas. Et si je vise bien, il est mort. Ça dégage. Des trucs d'agents secrets. Pas très agent secret. Hein. Ok, ça marche pas. Si. Efface ce numéro. Ok, voilà, c'est fait. Je te rappelle si j'entends parler d'autre chose. Bah voilà, c'était marrant.
Ça aurait pu être très dur, hein. Bon, on s'en est bien sorti, grâce au trafic démantelé. Merde. Va falloir aller vite. Va falloir aller vite. Ça passe. Ok. Ok. Et allons faire ce dernier trafic. Au prochain épisode. Petite pause de 5 minutes, on se retrouve après. Prochain épisode, on continue la quête principale, on continue tout ce qu'on a à faire. Bisous.